Et on est reparti pour faire la suite du siège. Allez, nous allons poser maintenant la tôle forte. Alors voilà, elle a été taillée. Ça ne présentait aucun intérêt de filmer ça. Et là, nous allons appointer la toile forte. En croix, derrière, devant, sur les côtés, avec des semences de 12 onces, mesure anglaise ou française, 14 mm, c'est la même chose. Et nous allons juste fixer par quelques semences la toile forte en place. La semence et le rampolo. Ça va très vite. Juste le mettre en place. Et pour changer, une paire de ciseaux et on va couper tout ce qui est en trop pour n'avoir à retourner que ce qu'on avait pour le fixer. À la bonne hauteur. On retourne à la toile. Alors la toile est déjà disposée au bon emplacement. Et maintenant nous retournons la toile. Voilà. Juste régler en la pliant. Alors je suis désolé si de temps en temps je cache la caméra. Mais là on ne va pas passer son temps à bouger la caméra. Le but est de montrer
comment on pratique quand on le fait. C'est la vie dans l'atelier qui se montre. La devanture est préparée. Alors exceptionnellement pour vous faire plaisir, j'ai éteint un peu la caméra, je l'ai tournée pour vous montrer l'arrière. Mais c'est pareil. On retourne la toile jute forte et on la pointe à nouveau, c'est-à-dire qu'on prépare le travail pour le clouer. Tout le travail est uniquement dans la préparation. C'est quand le travail est complètement mis en place qu'on se dépêche de le clouer pour le finir. Là on ajuste. On a obligatoirement de l'ampleur puisque le tissu est plus large qu'on le rétrécit et obligatoirement il y a des plis. Et donc on règle ces petites différences. Voilà, désolé, vous ne verrez rien du tout puisque c'est derrière. Vous le verrez tout à l'heure de l'autre côté. Vous voyez l'exécution quand même, ce qui se passe dans l'atelier. Vous voyez, là je suis en train de régler l'ampleur. On fait un pli qui sera cloué. Voilà, une partie de faite. Et là, vous verrez la totalité. Sauf si je passe devant. Ça peut arriver. Ça va même arriver. J'ai pas réussi à être transparent. J'essaye de me mettre un peu en biais pour vous laisser voir. J'espère que la caméra vous montre ce que je fais. Vous voyez, voilà, on a une ampleur de toile. On va régler ceci pour arriver à faire un pli. Mais il faut quand même aussi
faudra clouer la totalité du pli. Donc là, je pense que je vais vous passer de là. Bon, vous le voyez, et le bruit, le coup de marteau est quand même léger, parce qu'on ne travaille pas comme ça, raide, mais on travaille comme ça. Par définition, c'est pas la main qui cloue, c'est le marteau. Voilà, la toile est prête. Elle est complètement appointée. Et maintenant, nous allons la clouer. Alors, nous allons... Vous voyez, le travail a été préparé et il suffit juste de le fixer définitivement. Vous voyez, le coup d'appoint reste là. Là, il y a les clous des cordes. On vient là et j'enlève le coup d'appoint. Et on cloue le coup d'appoint, je cloue à côté, j'enlève le coup d'appoint qui était au milieu et je le remplace. Voilà, vous voyez, je vais faire la totalité du tour. Alors, ça ne présente pas beaucoup trop d'intérêt de vous regarder pendant 10 minutes enfoncer des clous. Donc, on va en arrêter là. Puisqu'on fait tout le tour comme ça. Le jeu n'a pas changé du Leinster. Allez, dernier clou. Comment ils vont maîtriser ce match, comment ils vont improviser. Et on va arrêter la caméra. Cette saison, ça s'écroule. Alors la toile forte est maintenant entièrement clouée. Et nous allons procéder à la couture des ressorts et de la tringle. Alors pour cela, nous allons utiliser...
une petite aiguille courbe, une paire de ciseaux et de la ficelle. Une longueur de ficelle. Possession du jeu, hein, les joueurs du Leinster, 69% de possession dans ce premier quart d'heure. Alors nous allons procéder d'abord à la couture de la toile forte avec les ressorts et sur le bordure de la tringle du suspendu. Voilà. Voilà, nous tenons la ficelle et nous mettons devant la tringle, la ficelle, et nous venons passer l'aiguille à l'intérieur, vous voyez, de la boucle, ce qui fait que le nœud est fait. Voilà. Alors là, on va le limiter. Je vous laisse regarder une dizaine de points. Parce que si on en fait 50, ce sera strictement la même chose que les 10 premiers. Donc on va arrêter de filmer. Là, je pense que vous avez bien vu. Vous voyez, on vient ici. Une dernière fois. Voilà, et le coupon. Voilà, nous avons fait le tour de la tringle. Et maintenant, nous allons coudre les ressorts. Alors, nous avons fait le premier nœud. Et nous allons continuer. Nous allons faire d'abord le tour. Les ressorts étant cousus tout le tour, nous allons nous contenter de faire le tour avec deux points de la toile jute sur les ressorts tout le tour. Alors juste le temps de repérer Nos produits sont testés, goûtés et regoutés des milliers de fois pour vous offrir une meilleure qualité. Allez, place aux nouveaux consommateurs. Et retrouvez le sachet de 10 pains au chocolat au prix discount de 1,89€ chez Aldi. Celui-ci, c'est celui-là. Se transmet simplement de génération en génération. Et la vie continue. Rayant. Pourquoi rester dans l'ombre? Révélez votre créativité. Montrez aux yeux du monde qui vous êtes. Et osez cultiver votre différence. Thank you.
100% professionnel. Vous pouvez ainsi acquérir de nouvelles compétences et développer votre carrière. Voilà, on vient de terminer la première rangée des ressorts du bord. Et maintenant, nous allons coudre les ressorts du milieu. Voilà, premier nœud, 4 points. Un, deux, trois, quatre points à chaque ressort. Voilà. Il a fait marque, il n'a pas sifflé, monsieur Carlet, il laisse jouer. Ouais, bon, le flottement, parce que là, ça offre un bon ballon contre-attaque à Kinan. Il a les jambes, regardez. Et là, on va coudre tous les autres ressorts. La raison, c'est que la toile soit entièrement liée avec les ressorts. Pour éviter, vous voyez, que la toile glisse et s'use chaque fois que l'on s'assoit, monte, descend, on sait que la toile bouge, et donc pour éviter l'usure de la toile jute. Thank you.
La mise en crème du petit canapé crapaud. Commencez voici quelque temps, on termine. On profite qu'il n'y ait personne pour un petit peu avancer ça. Et à côté, on profite des enfants qui chantent et s'amusent. L'impression de vacances. Jamais de très plus merveilleux ne peuvent enchanter mes yeux. Mon âme se trouble, venez-moi subir, saisis mon cœur. Et dernière poignée du siège. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre la toile jute claire.